Le Galaxy S23 Ultra est considéré comme le meilleur photophone de l'année 2023, mais je suis pas du tout d'accord, c'est un super smartphone, c'est vrai, mais je lui ai trouvé plein de défauts sur la partie photo. Je sens que je vais me faire des amis avec cette vidéo. Ouvrez bien les yeux, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien comme d'habitude. Alors, je vais commencer par vous préciser les conditions dans lesquelles j'ai pu tester le fameux Samsung Galaxy S23 Ultra. Alors, Samsung nous a prêté le smartphone. Merci Samsung, j'ai pu le tester tranquillement pendant 3 semaines. Il repart demain. Et 3 semaines pour moi, c'est une période assez longue pour avoir un avis assez complet sur un smartphone en l'utilisant au quotidien. Mais avant de vous dire ce que j'en ai pensé, il faut que je vous donne mon sentiment sur ce genre de smartphone. En 2023, une personne normale, et là, je vais mettre de côté les gens qui ne sont pas très à l'aise avec les nouvelles technologies. Bonjour maman. Ou pour le smartphone, c'est un truc qui ne sert que pour appeler ou envoyer des messages, et ce genre de personnes, en général, ils s'en foutent un petit peu des performances d'un smartphone, c'est sûrement pas eux qu'il sera facile de convaincre qu'il est normal de mettre plus de 1 400 € dans un smartphone. Vous, en revanche, si vous faites partie des gens qui passent plusieurs heures par jour sur leur smartphone, parce qu'il est un prolongement de votre main, si vous ne pouvez pas vivre sans être connecté en permanence, si vous cherchez un appareil avec un super écran, qui est peut-être prêt aussi à dépenser 1 400 € pour un smartphone, c'est à vous qu'il va falloir que j'explique ce que je pense du Galaxy S23 Ultra après l'avoir testé. Alors, à l'usage au quotidien, pour moi le S23 Ultra c'est un appareil qui est très performant mais aussi trop flatteur, je vais vous dire pourquoi après. Alors tout d'abord sur l'autonomie, je l'ai trouvé vraiment impressionnant, je n'ai jamais vu aucun autre smartphone qui propose une telle autonomie, il fait même largement mieux que l'iPhone 14 Pro Max qui tient à peine une journée en ce qui me concerne. Le S23 Ultra tient facilement 2 jours complets, voire même plus suivant ce que vous faites avec. Alors quand on est un utilisateur intensif d'un smartphone, on va dire que la plupart de son activité c'est aller sur YouTube, sur Twitch, aller sur Insta, scroller sur les comptes qu'on suit ou qu'on ne suit pas d'ailleurs, aller sur TikTok, faire des photos, des vidéo, jouer, évidemment chatter avec ses potes, tout ça c'est super génial et c'est vraiment super confortable avec un haut de gamme comme le S23 Ultra. Mais, parce que oui, pour moi le S23 Ultra est un smartphone qui peut vous induire en erreur. La raison est simple, c'est son écran qui est sublime. Et tant que vous restez sur le smartphone, tout ce que vous regardez, tous les contenus que vous consommez, mais aussi tous les contenus que vous fabriquez, par exemple ce que vous avez filmé, ce que vous avez pris en photo, tout vous paraîtra incroyable. Mais le problème, c'est que ça vous semblera incroyable tant que vous restez sur le smartphone. Mais le problème, c'est que quand on est prêt à mettre 1 400 € dans un smartphone, il est fort possible que ce soit pour exploiter ses contenus en dehors du smartphone. Donc édition photo, montage vidéo, et là je vous assure que c'est pas la même histoire. Quand j'ai récupéré tout ce que j'avais filmé, photographié avec le S23 Ultra, j'ai trouvé énormément de défauts sur plein de photos et de vidéos, et je dois absolument vous en parler. Mais je vais d'abord commencer par vous dire ce que j'ai trouvé génial sur le S23 Ultra, parce qu'évidemment il y a plein de trucs bien à dire dessus. Alors tout d'abord, le processeur Snapdragon 8 Gen 2, c'est un peu la V12 des smartphones, mais ce qui est spécifique à ce modèle, c'est que c'est une version qui a été personnalisée pour Samsung, c'est-à-dire que Qualcomm a modifié des réglages de son processeur pour s'adapter à ce modèle de smartphone en particulier, et à mon avis, c'est la deuxième meilleure idée qu'a pu avoir Samsung pour le S23 Ultra. La première, c'est d'avoir laissé tomber son processeur Exynos, qui était de toute façon beaucoup moins puissant que le processeur Snapdragon l'an dernier sur le S22 Ultra. Donc cette année, c'est un processeur qui est donc super puissant, il est à l'aise partout, dans toutes les tâches complexes, et à ce jour, aucun autre processeur ne peut faire mieux sur un smartphone, et malgré tout, l'autonomie reste incroyable. Je vous l'ai dit, l'optimisation du processeur est franchement réussie. Ensuite, sur la partie photo, il y a 3 trucs que j'ai trouvé vraiment top. Tout d'abord, l'homogénéité parfaite de couleur entre le capteur grand angle et ultra grand angle, mais uniquement en plein jour et uniquement entre ces deux-là, parce qu'après ça se gâte un petit peu, on en reparle plus tard. Toujours en photo, un autre truc qui m'a impressionné, c'est sa capacité à y voir quand vos yeux n'y voient rien. 2 exemples. Le premier en Bretagne, à l'intérieur de ce rocher, il y a un trou où logent des chauves-souris, et à l'œil nu, on ne voit évidemment absolument rien. Mais quand on approche le S23 Ultra, là ça change tout parce qu'on se croirait en plein jour. C'est assez bluffant. En revanche, j'ai pas eu de chauves-souris, mais uniquement des canettes et des bouteilles. Bravo les Bretons! À moins que ce soit des touristes. Alors autre exemple, là c'était dans les Alpes, dans la station des Ors, il faisait nuit, on voyait absolument rien, mais avec une pause de quelques secondes, on réussissait à faire des photos correctes, à condition de ne pas bouger. Et pareil pour prendre une photo dans la montagne où il y avait une descente au flambeau, c'était super beau et assez bien rendu avec le capteur grand angle. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi il y a un aspect trompeur sur le S23 Ultra, c'est son écran, il est tellement beau que si vous restez sur cet écran pour regarder vos photos et vos vidéos, vous verrez aucun défaut, tout vous paraîtra super beau. Et pourtant il y a plein de trucs qui vont pas quand on regarde les photos et les vidéos sur un ordi. Par exemple, une photo super simple où je suis au premier plan et on voit le nom de Saint-Brieuc à l'arrière, ça c'était devant la gare de Saint-Brieuc en Bretagne, on a recommencé 4 fois parce qu'à chaque fois l'appareil fait le focus sur l'arrière-plan et pas sur le personnage au premier plan, et c'est problématique, ça veut dire qu'on ne peut pas lui faire confiance pour savoir ce qui doit être mis en valeur, le nom Saint-Brieuc à l'arrière-plan ou le mec qui visite la ville avec sa fille qui est d'ailleurs une excellente guide. Autre exemple, sur les photos de nuit, j'ai remarqué un énorme défaut. À chaque fois que je voulais prendre le ciel étoilé en photo, il y avait un cercle sur l'image, j'ai jamais réussi à trouver d'où venait le problème, j'ai fait 10 essais et à chaque fois je retrouvais un cercle sur l'image.
image qui était toujours là et pourtant il n'y avait aucun éclairage périphérique qui faisait nuit noire. À mon avis, c'est un défaut de l'optique de l'appareil. Toujours de nuit, mais cette fois-ci en vidéo, après tous les tests que j'ai effectués, je peux vous assurer qu'il n'y a que le capteur grand angle qui soit capable de produire des résultats satisfaisants. Sur l'ultra grand angle et les zooms, quand il fait nuit, les vidéos sont complètement noires, donc totalement inutilisables. Bon, ensuite, il faut évidemment qu'on parle du fameux zoom 100x. Franchement, à part faire des démos à ses potes en prenant la lune en photo, à quoi ça sert, je sais pas trop. D'ailleurs, un truc assez étonnant, l'appareil est ultra sensible à la lumière nécessaire pour prendre une photo de la lune. C'est bien, mais ça surprend et je vous explique. Par exemple, cette photo avec le grand angle a été prise à 7h54 du matin à Bordeaux. On la voit encore dans le ciel, il faisait déjà jour, mais le soleil n'était pas encore visible au-dessus de l'horizon, comme on le voit sur cette photo prise 30 secondes avant. Ensuite, j'ai pris la lune avec le zoom 10x. On la voit toujours avec le même ciel bleu, mais le résultat est un petit peu crade. On voit à peine qu'il s'agit de la lune, c'est moche, on n'a pas trop envie de partager ça. Mais surprise, dès qu'on passe au zoom 30x, là c'est complètement différent. L'appareil s'adapte et le ciel devient noir pour arriver à faire ressortir la lune sans surexposition. Et là, la photo est bien. Ça manque encore de netteté, mais carrément mieux qu'avec le zoom 10x. Et quand on passe avec le zoom 100x, là encore, ciel noir, exposition correcte pour bien voir la lune, on est quand même à deux doigts de se demander où est la magie. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait parlé de computational photography. Ça avait fait un petit peu scandale parce qu'il y avait une marque de smartphone qui utilisait en fait des images qui étaient piochées dans des bases de données pour fabriquer une fausse photo et vous faire croire que c'était réellement ce que vous avez pris en photo sur un zoom très très puissant. J'espère que c'est pas le cas pour le S23 Ultra, mais on peut quand même se poser la question quand on voit la qualité des photos qu'il peut faire avec le zoom 100x, surtout sur la lune. Et pour la lune d'ailleurs, c'est pas terminé parce qu'une heure plus tard, le soleil était levé, il y avait donc plus de lumière et là, la magie de la correction d'exposition marche plus. Le soleil est toujours bleu, même en 100x, et forcément, le résultat est un petit peu moins percutant. Et quand j'ai utilisé le zoom 100x pour prendre autre chose que la lune, c'est un peu la cata, que ce soit des personnes, des montagnes, des bâtiments, c'est toujours un peu la même chose, une bouillie numérique qui est pas très agréable à regarder et surtout totalement inexploitable. Alors vous allez me dire que l'utilisateur peut choisir de shooter en mode 200 mégapixels, mais franchement, sur un smartphone, on n'a pas envie d'aller fouiller dans les paramètres pour changer ce genre de réglage. Personne ne le fait. Il faut que l'appareil puisse marcher de manière automatique et puisse adapter les meilleurs réglages suivant les conditions. Et c'est là où l'IA pourra vraiment aider un smartphone aussi bon sur le côté hardware. Et à ce jour, je pense que le seul qui arrive à faire ça correctement, c'est le Google Pixel 7 et le Google Pixel 7 Pro, qui sont beaucoup plus performants sur le traitement logiciel. L'iPhone 14 Pro Max est aussi très très bon, mais les pixels restent les meilleurs. Alors, autre défaut que j'ai noté, c'est le nombre incroyable d'erreurs du S23 Ultra sur le mode portrait, et ça, franchement, je m'y attendais pas. Même si on peut faire de superbes photos, parfois ça marche très bien, et les pièges sont nombreux. Regardez ça, des cheveux qui génèrent une zone de découpe ridicule. Sur un smartphone à 300€, on peut trouver ça normal, mais sur un smartphone à 1400€, c'est beaucoup moins pardonnable. D'ailleurs, le résultat du mode portrait peut être super aléatoire sur le S23 Ultra. C'est à mon avis le truc qui fait que les smartphones ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour rivaliser avec les appareils photo. Franchement, si vous choisissez un smartphone uniquement pour les performances photo, à mon avis, n'achetez pas un S23 Ultra, vous risquez d'être déçu dans pas mal de situations, notamment en mode portrait. Donc, je sais que la comparaison est facile, mais pour le même prix, vous pouvez acheter un appareil photo hybride avec un très bon objectif. Attention, je parle bien des appareils avec objectif interchangeable, car face à un appareil compact qui a un objectif intégré, le S23 est quand même beaucoup plus performant. Bon, en résumé, le S23 Ultra est impressionnant dans plein de situations. Il est puissant, l'écran est incroyable, mais en photo, il est loin d'être parfait. Et pour un prix de 1400€, j'avoue que je suis un petit peu déçu, je m'attendais à mieux. Il y a encore des efforts à faire. On espère des mises à jour qui arriveront peut-être sur ce smartphone. En tout cas, si on met de côté la partie photo, c'est sans doute le meilleur smartphone de l'année de manière globale. Mais ce n'est pas le meilleur photophone de 2023. Je sais, l'année 2023 est encore loin d'être finie. On va voir ce que propose la concurrence dans les mois qui viennent. Et puis, un cas intéressant, si vous possédez le S22 Ultra et si vous avez le budget pour migrer vers celui-là, là, je vous dis oui, il est bien plus puissant, bien meilleur en stabilisation vidéo. J'avais fait plein de tests et là aussi, c'était assez bluffant. Globalement aussi en photo, mais aussi en autonomie. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère avoir pu vous donner mon avis et qu'il soit constructif pour vous à propos du Samsung Galaxy S23 Ultra. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.